Mais c'est dingue ce que le mec il a dit tout à l'heure dans le magasin. Oh, vous avez 26 ans, vous n'avez pas encore d'enfant. Bah, c'est vrai que c'est l'âge où tu commences à vraiment te poser ce genre de questions, quand même. Mais n'importe quoi, Mais l'âge bien de sûr que quoi? si, 26 ans. Non, mais je t'explique, moi, la dernière chose à laquelle j'ai envie de penser maintenant, c'est au gosse. Genre, j'ai l'impression que si j'ai un enfant, le mec, il va me rendre dingue. Pourquoi je te rendrais dingue? Pas toi, l'enfant. Pourquoi l'enfant te rendrait dingue? Parce que c'est toujours là. Oui, je suis jamais content, je veux être le centre de l'attention, je veux ça, ah non, je veux plus ça, et toi, t'es toujours là en train de devoir lui donner tout. Moi, je supporte pas les gens qui sont pourri gâtés comme Non, ça. mais on n'est pas obligé de les faire pourri gâtés, on peut les faire mignons. Puis ce sera nos enfants, donc ce sera différent. Je suis pas prête à donner ma vie à un enfant, j'ai besoin d'encore 4-5 ans, Oui, voilà. maintenant, mais tu seras bientôt prête. Non, pas bientôt, je suis désolée. Tant que les enfants m'effraieront comme ça, moi, ils m'effraient. Moi, Mais quand je vois des enfants dans le bus, dans le train, dans l'avion, dans la rue, direct, c'est genre target. Toi, t'es un enfer, je me casse, tu vois. T'as pas vu We Need to Talk About Kevin? Vous allez faire un bébé? Bah non, on va pas faire de Ouais, parce bébé, que je comprends ça pas va de pas pourquoi. avoir d'enfant avec moi. Voilà. Alors, j'ai jamais dit ça, j'ai juste dit waouh, on a 26 ans, j'ai le time, j'aime pas les enfants c'est de la merde, ils ont toujours besoin d'avoir. Oh, mais Sarah, tu dis ça parce que tu connais pas d'enfants sympas. Comment ça se fait que je connais pas d'enfants Mais c'est sympas? comme les adultes, les enfants, t'en as des sympas, des pas sympas, mais en soi, c'est sympa. 90% des enfants que je connais sont pas sympas. Et quand je dis pas sympa, c'est des pestes. Tu vois, dans Super Nanny, tu vois bien que les enfants, au final, si tu leur expliques tout bien comme il faut, après, ils sont adorables. Mais je n'ai aucune envie de perdre plus de 2 minutes de ma vie à expliquer à un enfant Mais bien ça, c'est comment il parce que faut. t'as un peu un côté égoïste. Ouais, mais faut avoir de la patience, faut avoir rien à faire de mieux de sa vie. Moi, j'aimerais bien ne pas perdre des années entières à devoir expliquer à quelqu'un. Oui, mais bah en fait, quand tu voles le jouet de Céline, bah Céline, elle pleure parce que c'est pas ton jouet. Et là, il dit, mais je veux même jouer. Bah non, tu l'auras pas. Hein. Mais bah, je sais pas. Personne ne me demande mon avis sur la question. Comme si j'étais illégitime pour répondre. Bah, parce que t'as encore un enfant, regarde. Là, bam. Tu vois la sauce là? Ah mais t'as fini là? T'as tout mangé là? Non, tu vois bien qu'il en Non mais reste. attends Arthur, moi j'en ai pas eu. Je sens que j'en ai pas eu. C'est hyper bon en plus. Déjà tu l'as fait. Bah oui, c'est moi qui l'ai fait. J'avoue, c'est trop. Putain, t'es chiant, tu vois. Voilà, bah ça, typiquement, là par exemple, Arthur n'a pas du tout partagé un mets que j'avais fait pour tout le monde. Aucune justification. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Parce que c'est un enfant. De toute façon, c'est dans leur naturel des choses de vouloir des enfants. Vous en voudrez, c'est normal. Qui C'est quoi? tout le monde. Mais si, c'est dans ton ADN. C'est dans ton ADN de vouloir des enfants. Tout le monde est comme ça. Un jour, t'en voudras et tu vas perpétuer la race. Alors, ce genre de commentaire, ça a provoqué la Deuxième Guerre mondiale, juste pour te dire. Hein. Non, mais toi, t'es Et vraiment. sinon, il y aurait une extinction de la race. Il y aurait plus d'êtres humains Mais si on ne voulait pas se reproduire. Mais ben, et c'est alors? naturel, du coup, de vouloir se reproduire. C'est obligé que tu sois On comme s'en ça. fout de la race. Mais non, mais sinon, il n'y aura plus d'humanité. Pas dire Et ça. alors? L'humanité, c'est de la merde. Fait n'importe quoi, l'humanité. Bah, suicide-toi si c'est de la merde, l'humanité. Écoute, c'est vrai, les enfants, ils ont aucune conscience d'eux-mêmes, ils te foncent dedans tout le temps. Genre, ils s'en foutent que devant eux, il y ait trois personnes en train de marcher. Non, tout droit, ma trottinette, elle passe à travers les gens. Bah non, ta trottinette, elle passe pas à travers les gens. Ta trottinette, elle fonce dans le genou de quelqu'un, elle lui casse le fémur ou je sais pas quoi, le ménisque. Et la personne, eh ben, elle est dans l'hôpital à cause de ta sale gueule d'enfant de 3 ans de Non mais, merde. d'ailleurs, moi je crois qu'il y a une différence entre déjà, vous parlez des enfants citadins qui n'ont pas la place de jouer ailleurs que sur le trottoir. Donc si vous alliez un peu, si vous sortiez un peu de Paris et que vous alliez à la campagne, vous verrez que les enfants vont très bien. Là, vous parlez d'enfants qui vivent à Paris, qui sont dans le métro, qui sont tout le temps sous la pluie, coincés dans des apparts, dans des squats où il n'y a pas la place pour jouer. Et ben, c'est normal, ils deviennent fous. C'est comme les chevaux qui restent dans leur box et qui peuvent pas aller au pré. Bah. Tu savais que Jennifer a un bébé? Ah ouais? Il a quel âge? 8 mois. 8 mois? Mmh. Non. C'est pas grave. Donc ça veut dire que avec les 9 mois, ça c'était en couple avec elle quand il était conçu. Bah. Et ça veut dire qu'elle m'a trompé.